Hello tout le monde, c'est Sissa et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Watch Dogs 2. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien je ne sais pas. On va surtout regarder ce qu'il y a en termes de missions disponibles. Ah, il y a celle-là à continuer, c'est vrai. Bon, on va continuer celle-là. Alors, si je me souviens bien, on avait... On avait piégé le petit robot. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, bon, on va faire ça. Bon, ça va, c'est à côté. Oh, une petite décapotable, hein. Allez. Allez, go. Oula, pardon. Un peu nerveuse. J'avais oublié à quel point les voitures étaient un peu nerveuses dans ce jeu. C'est pas bien loin, donc on va y aller. Donc les serveurs sont down encore pour Ubisoft, donc je pense pas qu'on va se faire embêter plus que ça. Ah, attendez. Parce que, attendez, ça c'est hyper important, c'est pour débloquer des... Attendez. Alors non, c'est pas forcément celui-là que je voulais. Voilà. Allez, là, normalement j'ai moyen parce qu'en plus j'ai débloqué le super jump. Ah non, zut, je me suis foirée. Genre un tout petit peu. Ah! Il y a un trou pour... Ah bah voilà. Et je sais pas où c'est. Ah bah là. Nickel. Et au moins on va récupérer donc soit des possibilités de hack en plus. Ce qui risque d'être intéressant parce que ce serait bien de débloquer d'autres choses. Ouais. Qu'est-ce que j'ai débloqué là? C'est un point de recherche. C'est déjà pas mal. Punaise, non mais sérieux? Je me suis fait tuer par un autre joueur. Ah, je me suis fait écraser par quelqu'un. C'est pas... Alors... c'est très drôle parce que moi je cherchais pas du tout à éliminer le mec en question. Et le gars, il s'est carrément jeté sur moi. Donc bah non, finalement les serveurs ne sont pas si down que ça. Je sais pas si c'était... Bah, je pense que c'était un vrai joueur quand même, parce que vu son temps de réaction et le mien, je pense que oui. Bon, on va prendre une moto. Et ma mission ne s'affiche plus, c'est extrêmement énervant. Quand on meurt, en fait, bah, la mission ne s'affiche plus. Bah, je sais pas. Je sais pas où elle est. Je vois pas pourquoi il me l'enlève, c'est pas parce que je meurs que je veux plus aller à cette mission-là, hein, tout simplement. Bon, normalement, on s'est fait emmerder une fois, donc on est tranquille. Ça passe. Tant que je me prends pas un arbre. Ah. Ah, déjà, si toi t'as passé une voiture, je sais pas quoi. Je sais pas comment t'appelles une moto. J'aime pas ça du tout. Bah, je vous pique de l'argent si c'est possible. Ok, bon, bah, il n'y a plus qu'à. Pourquoi ça arrive tout le temps? Bah, parce que ça arrive tout le temps, madame, et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu fais là? Tu te bats contre Goliath? Vas-y, fais, ouais. On arrivera à en démasquer. Plus les gens sortiront de chez eux pour tout brûler.
Ça va servir à quoi? Comparer nos followers à une foule de villageois en colère? Bah non, mais... Les gens sont furieux et c'est normal. Ils veulent reprendre ce qui leur appartient. Assure-toi juste de leur montrer les vrais monstres. Ok? Bon alors, c'est toi qui vas devoir aller faire joujou avec les robots de chez Tylis. Oh merde, mais quand est-ce que ça a été décidé, ça? On a joué à pierre, papier, dynamite. Mais j'étais même pas là. Non, mais s'il y avait eu égalité, t'aurais gagné. Reinch a sorti papier, moi dynamite. Hein? Attends, c'est quoi dynamite? C'est un truc régional. Vu que techniquement, ça s'annule. Ouais, bah, ok, ça va, je vois. Du coup, non. Je crois que je me fais avoir, en fait. Il a la délicate mission de lire le manuel d'instruction. Toi, tu vas entrer par la porte principale, récupérer les numéros. La chance que j'ai. Envoyer pour qu'on puisse avoir les codes. Moi, la prochaine fois, je serai, hein, je jouerai dynamite, tout simplement. Ok, c'est parti. C'est parti. Ah, et bonne chasse. À toi aussi. Bon, bah, on va s'incruster là-dedans. Mais c'est bien, j'ai une moto juste à côté. Alors, rejoindre l'entrée. Ça aurait été pas mal que vous me mettiez quand même un tout petit point. Merci. Ah, oh, c'est pas passé. Si, ça va. Celle-là, elle est moins punchy que l'autre moto que j'avais auparavant. Là, je prie pour pas avoir un arbre. Non, ça va. Ouf. Tout va bien. Tout va bien. Quoi, il veut me faire la peau, là? Je crois qu'il voulait me faire la peau. Attendez. J'ai flemme d'aller à pied. Pardon. Oh! Pardon! Mais. Non. J'ai rien fait, monsieur. Je n'ai pas pu terminer l'analyse. C'est dommage. Pardon. J'ai fait n'importe quoi. Je me suis emmêlé les pinceaux. Je savais plus comment utiliser pour piquer de l'argent. Je savais plus. Ouf, ça a eu du mal, là. Cool. À moi. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ça, j'ai tout compris. C'est moi qui ai tout fait, c'est moi qui ai tout hacké. What? Junior est en marche. Y a plus qu'à savoir où j'envoie. Cherche l'espace sécurité, c'est pas loin. D'après les plans... C'est protégé. C'est quoi ce délire? Il gueule en plus. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah ouais, je vais peut-être ouvrir le net hack. Ah, il y a un truc. Alors, avec tout le respect que je vous dois, ainsi qu'à Greg Anderson, je ne pense pas que la formation de la sécurité soit une bonne idée. Avec votre accord, quelques employés expérimentés et moi-même nous dispenserons de formation et continuerons à faire tourner cette société du mieux que nous le pourrons. Je crois que je me suis ouvert le... Non ? Trop drôle. Ah ! Mais il dit n'importe quoi! Oh non, mon Dieu! Il raconte n'importe quoi, ce robot. Ouais. Ah, peut-être qu'en faisant ça, ça va m'ouvrir le passage. Même pas, je pensais, en fait. On va enlever le... Ouais, non, bah oui. Je profite juste de la balade. C'est très drôle. Continue de te diriger vers les baies de chargement. Le bureau de sécurité est juste à côté. Nickel. C'est n'importe quoi, ce truc. Ah.
Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ok, c'est bon. On continue. On va se mettre là plutôt. Il fait de la musique en plus en se déplaçant. C'est vraiment pas discret. On dirait une musique de Mario, c'est très drôle. Ah. Ok. Y'a pas une... Non, y'a rien. Non. Ok. Alors, l'accident de Greg est encore très présent dans l'esprit de tous et nous espérons qu'il pourra bientôt reprendre le travail. Tous les employés doivent assister au séminaire de formation à la sécurité du travail. Toute perte de productivité sera reportée en temps... Merci, j'ai pas eu le temps de finir. En temps de formation rattrapé en heures supplémentaires au cours des prochains mois. D'ailleurs, ça dépasse du cadre. C'est pas discret, quoi. Je pense que je vais fermer la porte derrière moi. Ok, Junior est en place. Tout le monde dit bonne nuit à Junior. Explosion! Voilà, ça va, c'était sympa comme mission. Ah, c'est discret, ça. Ouais, l'IEM a super bien marché. Oh je le prenais surpris. T'avais des doutes? Non, j'ai rien fait. Mais j'ai vite te montrer, j'en suis pas fier, tu sais. Mais à force de picoler comme un trou, j'ai appris à sauver les appareils. Oh, j'ai mis blackout, hein, là, c'était sympa. Ouais, j'ai trouvé le code de la porte de Tidys. 4545. Merci. Ok, bah go, alors. Ok, bon. On va monter, on va pas perdre de temps. Hop ! J'ai eu de la chance. Là, j'ai eu chaud, là. On peut pas monter les escaliers, de toute manière. Ok. Ah non, non. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est en bas. On va balancer le jumper. Voilà, on pirate. Bon, tout se passe bien pour l'instant. Faudrait que je regarde déjà les touches pour faire un blackout. Parce que j'ai même pas fait en fait, pas une seule fois. Pourquoi je suis venue là? Pourquoi je me suis entêtée à venir là? Ben je sais pas. Me demandez pas parce que du coup je ne sais pas. Bon bah on monte les escaliers. Ah c'est là-bas. Ok, je me dirige vers la salle des serveurs. Normalement tu devrais pouvoir monter jusqu'au serveur de données. Fais juste gaffe aux alarmes, aux lasers et aux mecs armés. Ah rien que ça. Pas de soucis. Hop, je neutralise les gens. J'aime bien ces musiques.
Mais je vais avoir des gros problèmes de droit d'auteur, vous allez voir. Ah, il y a un mec là-haut aussi. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux que j'aille éliminer le mec qui est à l'étage ? Ok. Alors, je voulais ajouter un truc par rapport à notre dernière conversation. Laisse-moi t'expliquer, ce sont de vieilles photos. Je ne suis plus comme ça, c'est pas du tout ce que tu crois. Ah, il y en a une qui s'est fait attraper. Hop ! Nickel, éliminé. Je sais pas comment je vais faire. Hop, ok. Ok, j'ai éliminé la menace. Je suis désolée, hein, je suis obligée de rester en... avec cette vision comme ça, c'est plus simple. En fait, c'est pour moi. Merde! 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 Ah, oh, je suis morte pour... Oh, comme une con! Parce que j'avais bien géré mon truc, mais... Je sais pas à partir de quel moment ils vont me... Je crois qu'on me fait un fuck, là. Ouais, ok. Merci. Ah, mince. J'espère que je vais pas tout recommencer. Non, ça va. Bon, c'est un peu chiant, mais bon. Ok, je me dirige vers la salle des serveurs. Normalement, tu devrais pouvoir monter jusqu'au serveur de données. Fais juste gaffe aux alarmes, aux lasers et aux mecs armés. Bon, c'était pas mal par l'endroit par lequel je suis passée. Mais non, mais non, mais non, mais non. Bon, j'essaie de... On va vous transmettre la description de la cible. À vous. On va employer les grands moyens. Envoyez un nettoyeur. Bon, est-ce que j'ai éliminé toutes les menaces, là ? Avec tout le respect que je vous dois, ainsi qu'à Greg Anderson, je ne pense pas que la formation à la sécurité soit une bonne idée avec votre accord, quelques employés... Mais j'ai déjà lu ça. Bon. Putain, non ! Arrête ! Putain, non, 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 appelle personne. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais juste fermer la porte, en fait. Hein, c'est tout. Alors, bon. C'est pas du tout ça que je voulais faire à la base. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Hein. Je crois que j'ai voulu foncer. C'était pas la bonne, initiative. Ok Ray, j'ai quelque chose pour toi. Ah ouais, c'est pas rien. Ça va prendre un temps fou à analyser. Normalement, t'es pas loin d'un ascenseur privé dans le bureau de la PDG. Mon plan indique pas où il mène, ce qui signifie que c'est exactement ce qu'il nous faut. Bon, j'ai fait n'importe quoi là. J'ai pas du tout été discrète.
D'accord, ouais. À un moment donné, en fait, Tidys s'est amusé à... Enfin, s'est amusé. Les employés se sont posés un petit peu la question du pourquoi, du comment, pourquoi ils faisaient des... Putain, c'est abusé, ce bureau. Elle a même carrément un ascenseur privé. Ouais, pas... Ils se sont demandé si, à un moment donné, c'était pas bien louche de faire des choses aussi étranges. Je suis sûre que vous allez me faire votre numéro de lashbot habituel pendant ma visite, mais je préfère vous prévenir, ça marchera pas. Je veux voir des robots fonctionner, pas de robots, pas de contrat. Non, ouais, ils se sont demandé à la fin, les employés, si c'était pas un petit peu étrange de faire ce genre de matériel militaire juste pour de la sécurité civile. Voilà. J'ai eu du mal à terminer ma phrase, mais j'y suis arrivée. Bon, je sais que c'est très énervant d'avoir la vision un peu 3D dégueulasse, là, mais j'ai pas vraiment le choix. Apparemment, le plan sur 10 ans de Tidys est élaboré dans un labo prototype. Ok, on va voir ce qu'il cache au moins 6. Et tu fais tout péter. Ce que Wrench essaie de dire, c'est qu'il faut absolument qu'on trouve des preuves qui montrent que Tidys est mêlé à des trucs pas clairs. Ouais, techniquement, dit comme ça, c'est mieux. Ok, bon, là, je vais dans les sous-sols. Peut-être du monde aussi. Hein. Waouh. Ok, je suis dans un abri anti-atomique de la taille d'un parking souterrain. Vous ça fait très Mass Effect. On va te retrouver devant une énorme porte métallique. Mais j'ai pas la moindre idée de ce que tu trouveras derrière. On verra quand j'y serai. Bon, je sais pas ce que c'est, ça. On va appuyer dessus. Bien que les capacités offensives de nos robots de surveillance actuels soient limitées, nous projetons de les améliorer afin qu'ils puissent avoir un rôle beaucoup plus actif dans les zones de conflit au cours des années à venir. Nous testons actuellement le résistance des gars en situation de contrôle des foules. Des négociations sont également en cours avec Galilée afin de développer des modèles spéciaux pour leur programme spatial. Ah! C'est pas du tout... C'est pas des petits robots mignons, là. Ça fait peur. Tidys commencera les tests sur le terrain des capacités offensives et défensives de nos robots, autant dans le cadre domestique que militaire. Doté d'une précision exceptionnelle et de réflexes... Ah. Moi, si je me sens un peu en danger, en fait, je mets ça dans mon jardin et ça ira mieux. Apparemment. Ok. On va tout regarder, hein. Un de nos objectifs sur le long terme vise à doter nos robots d'un blindage capable de résister aux attaques balistiques les plus puissantes, et cela en situation de combat. Dans le cadre de la sécurité intérieure, ces nouveaux modèles seront en mesure de résister avec facilité à des attaques impliquant projectiles de petite taille, cocktails Molotov et... Ah d'accord. Ouais, bah des manifestations en général, quoi. Ou soit c'est une... Ou soit c'est une armée de pauvres. Tout un tas de trucs avec des robots dans tous les sens. Vous allez pas le croire. C'est exploitable pour nos vidéos. Tidys et Bloom veulent implanter le CityOS dans des robots armés et s'en servir contre des civils. Ça vous rappelle rien? Ouais, ça recommence. Quoi? Comment ça? Fourrer des big data dans les machines de guerre, c'était le rêve des premiers ingénieurs de Bloom à l'époque où on planchait sur le CityOS. J'ai tout fait pour que le projet soit enterré, mais je savais que ça ressortirait un jour. Ouais, je comprends pourquoi t'es autant motivé. Ouais, j'avais déjà quelques soupçons. Mais là, on a quoi les griller. Allez, Marcus, sors de là. Deux secondes. J'ai encore un truc à voir. Je vous tiens au courant. Alors, on va essayer de hacker la porte. Et il manque de ce côté-là. Je réfléchis. Et du coup... Voilà, hop, hop, hop.
Ouverture des portes. C'est pas très rassurant. Oh putain! Les gars, c'est ouf! Qu'est-ce que t'as trouvé? Mortel, putain! Ah! Ah bah... Ça peut rappeler quelque chose... à ceux qui ont joué au Watch Dogs 1, d'ailleurs. Ça faisait partie des activités secondaires que vous pouviez faire, finalement. Je vais fermer la porte s'il y a moyen. Non, ok. Bon. Allez, go. Ah ouais, carrément. Ah ouais, comme ça là. Ok, je crois que la grosse bestiole est prête. Faut juste lui faire passer les portes de sécurité. Des idées? Écoute-moi, si tu désactives le système anti-incendie, ça ouvrira les portes. Je vais essayer. Ok, tout va bien. Tout va bien. Oula, 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 je sais pas dans quel sens je suis. Ah, merde. Ok. Je sais pas comment on fait pour... Ah ok, d'accord. Ah ok, j'ai compris. Qu'est-ce que t'as? Voilà. Voilà, et il m'en manque plus qu'une. Ah, ça c'est moins cool. On va se débrouiller. Vite. Ça a marché. Je me dirige vers les prototypes. On a un problème. La porte qui mène au serveur de secours est toujours fermée. Je m'en occupe. T'as qu'à détruire les prototypes pendant que je m'occupe de la porte. Je compte sur toi, mon pote. Ah ouais, ouais. Unité fonctionnelle à 10%. Système principal. Aïe. Ah. En fait, non, j'aurais dû passer par là. Comment j'ai fait pour aller de l'autre côté? Ah bah là, c'est... Voilà, merci.
Ok. Et il en manque plus qu'une. Voilà. C'est bon. La porte est ouverte. En principe, il devrait y avoir un ascenseur. Débrouille-toi pour accéder au serveur de secours, au niveau moins 3. Un ascenseur? Pourquoi faire? Pense juste à tout bien exploser comme il faut. Ah! Hop! Hop! Faut juste que j'ai le temps d'arriver jusqu'au bout, là. Unité fonctionnelle à 10%. Système principal. Vite, vite. Je sais pas où je suis. Ok. Unité fonctionnelle à 50%. Ah, d'accord, ok. Je dois tout détruire ici, ok. Destruction massive! Voilà. Bon défouloir. Ça va. Par contre, j'ai plus d'oreilles. Punaise, la musique, elle était à fond. Hey, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je sais pas. Je gagne pas assez pour le savoir. Bonne chance. Bon, ben je crois qu'on a plutôt bien fait notre mission. On est allé jusqu'au bout des choses. Ok, bon, ben ma foi, c'était bien sympa. Ça change un petit peu en fait. Marcus, faut absolument que tu vois ça. C'est ni plus ni moins que du porno pour ingénieur. Ah bon? Apprentissage artificiel, nanotechnologie, Raygun, mortel. Ouais, je savais que ça vous plairait. Quoi, c'est un cadeau? Ouais. Putain, ouais. T'es comme le Père Noël, mais en plus crade et moins gentil. Ho, 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 joyeux Noël, bande de petits cons. Eh, hey, vous êtes prêts? Zitara va publier la vidéo. Allez, go. On va regarder. Comparé à d'autres géants de la Silicon Valley, Tidys passe inaperçu. On entend très peu parler d'eux dans les médias. Ils opèrent à huis clos, bien à l'abri des regards indiscrets. DedSec a mené l'enquête, et les résultats sont alarmants. Tidys se sert de vos impôts pour financer des machines de guerre. Aujourd'hui, un prototype de combat a saccagé leur propre complexe, ce qui prouve son potentiel destructeur. D'ici 10 ans, ces machines seront déployées sur le sol américain. Si vous ne vous manifestez pas dès maintenant, ils construiront une armée pour vous faire taire et vous forcer à obéir. Tidys s'est associé à Bloom pour s'autoriser l'accès au City West. Et Bloom a vendu vos données personnelles et s'en servira contre vous si ce projet n'est pas avorté. Nous ne resterons pas sans rien faire. DedSec vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Allez, on va vite regarder ce que t'as là-dedans. Avant que tu colles toutes les pages. Eh, hey, moi je vous retrouve tout à l'heure. Ok, à plus. Ok, bon, bah ma foi c'était bien sympa comme mission. Ouais, assez sympa. Il y a un magasin de vêtements pas loin là. Bon, on va se laisser là-dessus, on va juste aller au magasin de vêtements qui est pas bien loin. Je sais pas si on débloque petit à petit des vêtements, à voir, on va aller regarder ça tout de suite. Ce serait bien. Ouh là, je me fais attaquer par le chien, ouais. Bah, et toi alors, tu t'es regardé? sac de bonbons pas bons, voilà. Tu deviendras diabétique. Grosse truffe. Ah mince, je voulais pas lui parler.
Ok, bon. Je vais regarder ses vêtements. Ça me dit... Oh, ça a pas l'air terrible. Hein. Bon, on va regarder quand même. C'est moche. C'est pas beau, hein. Il a l'air tout sale, hein. Le pull. En termes de goût vestimentaire, c'est pas ça du tout, hein. C'est dégueulasse. C'est pas terrible, hein. Les jeans, ça va toujours, hein. Et en termes de chaussures, ils ont quoi? Sa coche, j'aime bien celle que j'ai à l'heure actuelle. Ah oui, non mais je vois, c'est le truc un peu... tu peux trouver des tongs dégueux, là. Ça fait un peu un magasin de voile, en fait. Ouais, bof, pas terrible. Ok, bon, on va pas acheter tout de même. J'aime pas. Voilà, on va pas s'opiger. Bon, ben on va cesser là-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur... ce Watch Dogs 2 vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de notre aventure. Allez, salut !